Rebonjour à, ou bonsoir plutôt à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. On attend encore 2 minutes jusqu'à 35 pour les retardataires avant de commencer.
Rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette présentation des projets du secteur Sud-Gare de Montigny. On est à 50 personnes en ligne. On a une centaine de personnes inscrites, mais bon, je pense qu'ils vont nous rejoindre bientôt. Alors aujourd'hui, on est là pour présenter l'état d'avancement des différents projets. Et comme on vous a fait d'habitude, c'est la présentation des projets, la concertation continue depuis quelques années. Aujourd'hui, on est au rendez-vous pour vous présenter l'avancement, les explications, répondre à vos questions. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, ce que je vous propose, je vais mettre en plein écran d'abord pour que vous puissiez voir l'ensemble de la présentation. Et vous donner quelques éléments par rapport à l'espace de partage. D'abord, je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nargis Berada. Je suis architecte urbaniste à la direction du développement urbain à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis accompagnée par Monsieur le maire, vice-président à l'aménagement à Saint-Quentin, et Madame Alexandra Rosetti, vice-présidente au développement économique. Ils vont vous présenter tout à l'heure. Et puis, Madame Christine de Beauregard, directrice d'attractivité à Saint-Quentin. Et puis, un certain nombre de collègues techniques qui sont là pour accompagner la présentation. Alors, pour avancer, vous voyez sur l'écran, en fait, on a l'espace de partage, d'échange que nous partageons aujourd'hui. Vous avez la possibilité aujourd'hui de réagir via cet outil, de poser des questions, de partager avec nous un peu vos questionnements, vos propositions. Si tout se passe bien, normalement, vous voyez la présentation à votre gauche et un onglet à droite de la présentation pour poser des questions. Là, vous voyez le chat. Normalement, les questions que vous posez et vos propositions, elles sont visibles par l'ensemble des personnes. Normalement, on a un modérateur. En fait, les questions elles sont soumises à modération par mes collègues techniques. L'objectif pour nous, c'est de se concentrer sur les questions relatives au secteur de projet pour qu'on puisse bien vous répondre à différents secteurs. Et vous allez voir, on a un certain nombre de projets qui se déroulent. Alors, je ne vais pas trop tarder, je vais passer la parole à Monsieur le maire pour introduire cette présentation. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Pour certains d'entre vous, peut-être que... Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Il y aura peut-être quelques redites, puisque peut-être que certains étaient présents lors de la présentation des vœux lundi soir en visio ou présents aux précédentes réunions de concertation sur le sujet de l'hypercentre. Mais je pense qu'il est important de resituer la discussion. Vous le savez, nous avons commencé il y a presque 3 ans une concertation sur cet hypercentre parce qu'il a près de 40 ans, qu'il est fatigué, très minéral, qu'il a été conçu essentiellement pour l'automobile à l'époque et que les besoins actuels et les usages d'aujourd'hui, plus toutes les contraintes environnementales, font qu'on ne peut plus penser un centre-ville, un cœur de ville, de la même façon qu'il y a 40 ans, et qu'il y avait vraiment nécessité d'intervenir dessus. Donc c'est pour ça que nous avions souhaité pouvoir vous proposer cette concertation. Alors, je m'interromps une seconde parce que je vois qu'il y a des... Non, c'est ça ? Oui, on est bon ? Ça va ? Ok. On avait souhaité donc travailler par le biais d'une concertation, puisque c'est un quartier qui, au-delà du centre commercial, de l'université, des entreprises, est avant tout un secteur habité. Et donc, il y avait nécessité, à partir du moment où on envisage un aménagement qui durera probablement pour les 40 prochaines années, évidemment, d'avoir le soutien, l'assentiment des habitants. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail. C'est un secteur relativement complexe. Moi, je vais faire l'introduction sur la partie aménagement et j'aurai le plaisir de laisser la parole à Alexandra Rosetti ensuite pour vous parler de la partie développement économique parce que tout ça est très imbriqué, évidemment. Mais au niveau de l'aménagement, il y avait les exigences que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir moins de place à la voiture, avoir des espaces publics qui soient plus aérés, avec beaucoup plus d'espaces verts, avec aussi plus de
convivialité en permettant l'installation de terrasses, de cafés, de restaurants de plus grande importance que ce qui existait précédemment. Et puis aussi d'autres sujets, évidemment, la vie du quartier. Comme je dis souvent, l'hypercentre, souvent on y va, on y passe parce qu'on doit se rendre quelque part, on a quelque chose à y faire, mais par contre on n'y passe pas du temps. Et l'objectif vraiment demain, c'est que ça devienne un lieu de vie, un lieu où l'on vient profiter d'un moment parce qu'il y aura des aménités, un certain nombre de choses qui seront là et qui pourront satisfaire les besoins de tous. Et parmi elles, bien sûr, il y a les différents lieux type café, restaurant et commerce que vous pouvez trouver sur place. Et donc, dans les projets d'aménagement que nous travaillons actuellement, il y a aussi toute cette partie-là qui est très importante, d'apporter de la vie, non seulement de la vie en journée, mais aussi de la vie en soirée, pour que ce quartier vive correctement à l'avenir. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui était très important pour nous. On a une architecture qui est très complexe dans l'hypercentre, avec beaucoup de recoins, de petits passages et de lieux où on manque de visibilité. Et on sait que tout cela concourt, pas nécessairement à l'insécurité, mais en tout cas à donner un sentiment d'insécurité quand on circule, particulièrement le soir, dans certains espaces. Et donc, tous les réaménagements que nous envisageons aujourd'hui ont aussi pour objectif, au-delà de la vie que l'on souhaite apporter sur le quartier, de donner aussi un aspect plus rassurant, plus sécurisant pour l'avenir sur cette partie du quartier. Donc, ce sont vraiment les principes qui nous ont conduits, aux côtés évidemment de la concertation que nous avons menée, dans le travail qui s'est déroulé pour les aménagements qui seront proposés. Et puis, après, il y a des choix stratégiques qui ont été faits. Je l'évoquais lundi soir, nous avions eu un travail, il y a une concertation en 2011 autour d'un plan guide qui devait conduire à différents réaménagements sur un kilomètre autour de la gare, grosso modo. Et vous en aviez eu la traduction avec les travaux sur la rue Joël Le Teul, sur la place Choiseul, où auparavant il y avait un parking. Maintenant, quand on le voit, on a du mal à s'en souvenir. Il y avait aussi la Diagonale, évidemment, qui était un gros sujet. Il y a déjà eu aussi des travaux sur la gare qui sont intervenus il y a une dizaine d'années. Et donc, suite à ce plan guide, il y avait un certain nombre d'orientations qui avaient été choisies, dont une qui nous motivait particulièrement pour organiser cette réunion ce soir, puisque c'est l'un des sujets importants de la soirée, c'est la démolition de l'Anneau Rouge. Pourquoi démolir l'Anneau Rouge? Eh bien, parce que quand on sort de la gare par la façon dont est conçu ce bâtiment, on ne voit pas la ville, on ne voit pas où on est situé, on ne sait pas par où on doit aller pour se rendre dans les différentes parties du centre-ville. Et puis, de la même façon, quand on est sur l'avenue du Centre, quand on est au carrefour de l'avenue du Centre et de Vauban et de la rue Gustave Eiffel, eh bien, on ne voit pas la gare. Et donc, il y avait vraiment la nécessité de repenser complètement cet aménagement, à la fois pour donner de la visibilité au territoire et à la gare, mais aussi pour, du coup, en profiter pour avoir des espaces publics qui fassent la liaison avec et le centre-ville et le parc qui est situé juste en face de l'autre côté de l'avenue du Centre, qui offre un poumon de verdure en plein cœur de cet espace de centre-ville. Donc, c'est une véritable chance pour nous de posséder cela. Et donc, il fallait aussi créer cette liaison-là. Donc, c'est pour ça que ce travail a été mené, un travail de longue haleine, puisque vous voyez, le plan guide, c'était en 2011, et les travaux de démolition de l'Anneau Rouge vont intervenir cette année, soit 10 ans après. Mais Alexandra Rosetti sera d'accord avec moi. On le sait, quand on a des projets d'ampleur, eh ben, c'est 10 ans au moins avant qu'un projet sorte. C'est toujours comme ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. J'espère que vous aurez du plaisir à voir un petit peu l'évolution qui est proposée sur le secteur. Et vous verrez, il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Et puis, je vais laisser la parole à Alexandra. Merci, Laurent. Alors, sur le côté, justement, développement d'immeubles de bureaux, donc, effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, le quartier a été conçu donc dans les années 80 et il regroupe vraiment des équipements phares puisqu'il y a la gare, il y a également au moins le théâtre, le centre commercial, l'université et puis pas très loin aussi le Vélodrome national qui est lui-même à proximité de l'île de loisirs. Donc c'est vraiment un équipement qui fonde, tous ces équipements qui font de cette personne vraiment
une centralité incontournable et emblématique de l'agglomération qui est à même de générer de nombreuses synergies positives. Et puis, ce pôle, mais un petit peu plus vaste, pas uniquement l'hypercentre, si on va un petit peu le long de l'avenue du centre à Guyancourt, ça représente près de 40 000 emplois. Donc, c'est vraiment un lieu très important pour son développement. Alors, le parc tertiaire, donc, maintenant, dans le centre, se renouvelle depuis quelques années. Et tu l'évoquais, Laurent, tout à l'heure, le fait de créer des espaces de vie autour des entreprises, c'est important puisque aujourd'hui, les entreprises, justement, ont une logique d'ouverture sur la ville. Et donc, la restructuration de ces immeubles permet justement de changer de logique et puis également de s'adapter au nouveau mode de travail et d'offrir aux utilisateurs des espaces de travail beaucoup plus modernes et attractifs. Et donc, ça participe au renouveau stratégique de ce secteur. Donc, on a des immeubles neufs qui se louent immédiatement. On a l'exemple d'Orange dans l'immeuble Native. C'est une opération de démolition-reconstruction donc qui est justement à proximité immédiate de la gare, et où Orange va pouvoir regrouper toutes ces entités qui étaient jusque-là réparties sur le territoire. Donc la révolution donc, des usages et de la ville, des attentes donc, des entreprises en matière d'immobilier, c'est ce que je disais sur le fait de s'adapter aux nouveaux modes de travail, et puis donc la nécessité pour les entreprises et leurs collaborateurs d'occuper des immeubles de dernière génération pour répondre à tous ces besoins et à tous ces usages. Et évidemment, la proximité de la gare fait de ce lieu un territoire extrêmement attractif. Voilà, donc les objectifs qui sont poursuivis et qui sont déjà en route quelque part, puisque redonner une image qualitative au secteur gare et améliorer la valorisation des biens existants, on voit bien que les nouveaux immeubles qui ont été construits, qui sont déjà sortis de terre, participe nettement à l'amélioration donc, de l'esthétique du quartier, réaménager les espaces publics en végétalisant et en diminuant les frigos de chaleur. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans penser les espaces publics en fonction du réchauffement climatique que nous subissons tous. Sécuriser les immeubles, le maire en a parlé, effectivement, en sortie de gare en particulier, pour éviter tous les recoins qui peuvent donner des sentiments d'insécurité. Les commerces de proximité sont évidemment extrêmement attractifs aussi pour les salariés. Voilà, l'idée est vraiment attirer des entreprises, des talents sur Saint-Quentin, puisque c'est ce qui fait l'attractivité de notre territoire et sa richesse. Alors, je crois que c'est... Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on revient au secteur des Sud. Alors, le secteur Sud-Gare, vous avez l'habitude qu'on parle du secteur hypercentre. Aujourd'hui, on va parler du secteur Sud-Gare, en fait, parce que c'est un secteur qui va tout le long de l'avenue du centre, de l'est à l'ouest. L'objectif, c'est qu'on vous présente l'ensemble de ces projets-là. Et depuis le départ, depuis 2011, on a commencé la réflexion, ce qu'on appelait le plan guide, pour la restructuration, la redynamisation du secteur. Notre objectif, collectivité, c'est d'accompagner tous les projets, des projets publics, des projets privés. L'important, c'est qu'on a une cohérence et une coordination avec tous ces projets-là, à toute échelle et à tout stade du projet. Normalement, nous, notre rôle, c'est de pousser toutes les réflexions qui poussent ces projets-là à avoir des projets qualitatifs, tout en respectant les règles, bien évidemment, les règles d'urbanisme, les réglementations en vigueur, et surtout les enjeux du secteur qui sont là à travers les études qu'on a menées depuis 2010-2011 sur le secteur, tout en concertant et en communiquant comme on fait depuis le début sur ces projets-là. De notre côté, on a mené un certain nombre d'études techniques, des études préopérationnelles sur le secteur, pour assurer un minimum de faisabilité technique sur les différents projets, d'accompagner le schéma d'orientation choisi qui a été présenté d'ailleurs en 2011. On voit sur cette slide-là, c'est quand la concertation a commencé en 2011 avec une réunion publique qui a été tenue avec les élus, avec l'ensemble des habitants. Le souhait des élus, même à l'époque et aujourd'hui, Saint-Quentin et de la commune,
c'est d'appuyer sur l'expertise des cinq continuaires, habitants, salariés, entreprises et étudiants, qui étaient invités à participer le long des projets, à différents ateliers, des temps d'échange. Et la première réunion qui a donné un peu le top départ par rapport à ce grand projet, vaste projet sur le secteur, c'était la réunion de 2011 sur laquelle on a validé un certain nombre d'enjeux. Et sur la slide, vous voyez un peu les grands objectifs sur le secteur gare. Vous voyez, point rouge, en fait, c'est la place Charles de Gaulle. En rectangle rouge, je ne sais pas si vous voyez la souris. Non, voilà, c'est en grand écran, du coup, vous ne pouvez pas voir, malheureusement. Mais voilà, le rectangle rouge, c'est la gare de Saint-Quentin. L'objectif à l'époque, en fait, aujourd'hui, on a toujours le bâtiment appelé Anneau Rouge qui entoure la place Charles de Gaulle. L'objectif, c'est vraiment d'assurer une continuité paysagère du parc des sources de Bièvre en prolongeant la place Choiseul vers la gare. C'est le souhait. On a commencé par les aménagements de la place Choiseul, comme a expliqué M. le maire tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de continuer cette ouverture paysagère pour avoir un peu plus de végétal sur cette place minéralisée aujourd'hui. Redonner plus de visibilité à la gare, hein, qui est aujourd'hui enclavée, fermée. Les visiteurs, les habitants, là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment une place de gare. C'est une place qui était censée auparavant être la place centrale de la gare. Aujourd'hui, malheureusement, elle a mal vieilli. Les bâtiments ne jouent pas leur rôle qui a été dessiné par les urbanistes à l'époque, ni les architectes. Alors, l'objectif de ce plan guide et ses orientations, c'est vraiment ouvrir cette place-là, développer des fronts bâtis pour renforcer et respecter les flux existants, parce que sur cette gare-là, on a 70 000 voyageurs par jour. L'objectif, c'est vraiment fluidifier ces accès vers le centre commercial, vers les différents quartiers, créer les liens surtout avec tous les quartiers de développement économique à l'est, ouest, et puis tous les liens avec les parcs et le reste de la ville. Et pour cela, ce qui a été décidé à l'époque, c'est vraiment intervenir sur, sur le bâtiment Anneau Rouge pour créer cette ouverture-là. Et dans la continuité de cette concertation qu'on a démarré depuis, l'agglomération et la commune, on a délibéré sur une nouvelle concertation un peu plus spécifique. C'est ce qu'on appelait l'hypersonde. D'ailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous suivent aujourd'hui. Ils ont déjà participé à un certain nombre d'ateliers. Un temps de concertation qui a nourri vraiment le projet hypersante. Le projet hypersante, ça intègre et le secteur de la gare, c'est-à-dire la place, tous les bâtiments, et puis tout le secteur qui va de l'avenue du Centre, place Pompidou, place Truffaut, jusqu'au canal. On a mené des ateliers de travail de concertation, des balades urbaines sur les différents secteurs, des participations malheureusement avec la crise sanitaire on a pu s'adapter en fait avec cette crise. Enfin, l'important, c'est que vous avez l'information, vous avez la possibilité d'échanger avec nous et qu'on puisse répondre à vos interrogations tout le long du projet avec tous les moyens. Alors, ce que on vous propose, c'est que vous voyez sur cette slide, il y a un certain nombre de projets. Voilà, c'est varié, c'est riche. Voilà, on va procéder par une présentation des différents projets de l'Est à l'ouest, comme vous voyez sur la carte, tout le long de l'avenue du Centre en jaune, un différent nombre de projets. Moi, je cite voilà le premium, voilà carré, voilà en passant par la gare jusqu'à arriver jusqu'à le projet SkyWest. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on va présenter rapidement les projets. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des compléments, parce qu'on ne va pas rentrer en détail sur tous les projets, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il y a l'espace, l'onglet chat, vous pouvez poser les questions, on vous répondra avec plaisir. Voilà, je laisse ma collègue passer à la présentation des projets immobiliers. Oui, alors, nous avons bien évidemment, à 50 ans en Yvelines, et particulièrement sur Montigny-le-Bretonneux, entamé depuis déjà de longues années des opérations de restructuration lourde, de rénovation, réhabilitation, opérations de démolition, reconstruction. En effet, et notamment avec la crise sanitaire que nous traversons, les immeubles de bureaux doivent de nouveau attirer les salariés et les entreprises sur le territoire. Bien évidemment, si nous restions sur des immeubles plutôt obsolètes, puisque le quartier centre de Montigny-le-Bretonneux a des immeubles qui existent depuis une quarantaine d'années,
Et donc, si nous ne faisons rien, ces immeubles se vident, ne retrouvent pas de preneurs, et du coup, cela fait des friches tertiaires. Du coup, c'est vrai que nous avons entrepris de nombreuses opérations. Certains peuvent dire « oui, mais pourquoi reconstruire du bureau ça fait beaucoup de bureaux sur le marché. » En fait, non. La réflexion est la suivante, c'est qu'il faut réhabiliter, il faut rénover, il faut offrir aux salariés de nouveaux espaces de travail et surtout pour les faire revenir au bureau avec la période de télétravail, pour les faire revenir au bureau, il faut leur offrir de nouveaux espaces, des nouveaux espaces conviviaux sur lesquels ils peuvent se retrouver et pouvoir échanger, travailler en mode projet. De toute façon, avec la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, il faut que toutes les surfaces soient revues. Et surtout, il faut amener de l'humain. Il faut privilégier le retour de l'humain, et notamment dans les espaces de bureau, pour leur donner envie de revenir. Et c'est vrai que cette transformation que nous avions déjà entamée se poursuit avec de très belles opérations. Donc là, on va commencer par l'immeuble qui était occupé il y a un certain nombre d'années par l'INSEE, qui a été vidé. Et du coup, là, nous avons un promoteur Akera Développement, qui propose un nouvel immeuble qui s'appelle le Premium. C'est une opération donc, qui est en cours de démolition et de reconstruction. Et là, nous avons la chance d'accueillir un nouvel opérateur sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc le co-living, c'est un mot un peu barbare qui veut dire du logement partagé, justement pour accueillir de nouveaux salariés qui ne trouvent pas de logement sur le secteur. Et du coup, là, ce sont le co-living, en fait, c'est une opération qui consiste à partager des services communs. Et non seulement on va avoir des logements, mais on va avoir des services qui vont contribuer à l'attractivité, notamment du quartier, parce qu'il va y avoir des espaces de restauration, des espaces de rencontre, des espaces de sport, et tout ça ouvert également aux habitants du quartier. Donc, on aura vraiment un immeuble complètement différent de ce qui peut exister à l'heure actuelle, avec une partie de bureaux 3000 m², avec une très belle architecture réalisée par l'architecte Horry. Tout est peut-être précisé, voilà, la rue, parce qu'on ne voit pas peut-être les personnes. Bon, c'est la rue Stephenson. C'est la rue Stephenson qui part de l'avenue du Centre et qui passe devant l'immeuble Australia, l'immeuble rouge et orange, et qui va vers la gare. Voilà. Ensuite, donc, nous avons notre opération emblématique qui a constitué une démolition en partie, une réhabilitation. C'était le premier immeuble de Saint-Quentin-en-Yvelines qui avait été construit en 1976, et c'était le premier immeuble de bureaux au pied de la gare. Donc c'était déjà une opération très emblématique. Mais grâce à cette nouvelle opération, nous avons accueilli sur ce secteur-là le premier immeuble qui comprend à la fois du bureau et du logement, une opération de logement. Et donc on voit bien que cette opération qui était emblématique dans les années fin 70, début 80, redevient un immeuble emblématique avec la partie, donc le carré, qui accueille l'ingénieriste Expléo et l'opération de logement, le New Wave. Autre opération dont vous en avez déjà parlé tout à l'heure, le Natif, qui était un immeuble qui était occupé par la Poste et qui a été, alors lui, complètement démoli et reconstruit par le promoteur Codic, et qui va accueillir également des commerces en rez-de-chaussée, parce que vous voyez bien que sur ce nouveau secteur, ce qu'on favorise surtout, c'est les services offerts à la fois aux salariés, mais également à destination des habitants. Et donc cet immeuble va
accueillir toutes les entités d'Orange qui étaient réparties sur le territoire. Et la livraison va être réalisée en 2022. Merci Christine. On enchaîne avec d'autres projets que vous connaissez forcément, peut-être parce que si vous passez par la gare, vous voyez un peu les travaux qui se déroulent. C'est le troisième plus grand chantier de l'Île-de-France, à 43 millions d'euros. L'objectif de cette intervention, c'est de faciliter les flux, la sécurité des cheminements pour les voyageurs. On travaille sur le deux quais qui seront équipés de travelators qui relieront directement la passerelle rouge que vous connaissez ainsi que les accès de la gare, avec une intervention bien évidemment sur les portes de validation qui seront remplacées par de nouveaux modèles, et les trois quais ils seront allongés pour préparer l'arrivée des nouvelles rames plus spacieuses et plus confortables. On interviendra également sur l'ambiance lumineuse à l'intérieur de la gare pour accompagner cette amélioration et pour avoir plus de confort. Dernier point, c'est le renforcement de l'autonomie des personnes à mobilité réduite. En tout cas, tous ces travaux-là, ils sont dans le sens d'avoir un peu plus de confort et plus de sécurité sur l'espace gare. Et c'est en cours. On arrive maintenant au projet pareil emblématique, qui est le projet de l'anneau rouge, un des bâtiments phares, parce que c'est le premier bâtiment qu'on voit à la sortie de la gare, un bâtiment qui date des fins des années 70. Malheureusement, aujourd'hui, ce bâtiment a très mal vieilli. Et il offre une image pas très valorisante pour le secteur, parce qu'aujourd'hui, on voit plutôt les carreaux qui tombent sur l'espace. C'est un espace qui ferme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui ferme l'espace central, place de la gare. Parce qu'au tout début, je rappelle, les architectes, ils voulaient créer une animation avec ces pieds d'immeuble de ce bâtiment, avec des commerces et des programmations de gare qui voulaient sortir à l'extérieur de la gare. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé comme ils souhaitaient. Et du coup, ces pieds d'immeuble, ils se sont transformés en espace fermant la gare. Aujourd'hui, le souhait pour respecter les orientations qui ont été validées, comme je l'ai montré tout à l'heure, en 2011, en termes de concertation, l'ouverture de cet espace-là. On voit sur les trois images, aujourd'hui, l'anneau, comme dessiné aujourd'hui, l'objectif, c'est avoir une démolition partielle de ce bâtiment pour ouvrir le bâtiment, ce qui donne un bâtiment un peu plus ouvert, un ensemble immobilier ouvert, avec cette continuité paysagère, ouverture vers la place et vers la gare. C'est une opération globale de 25 000 m² environ, avec des bureaux, des commerces, qui se présentent sous trois sous-ensembles. Vous voyez, trois bâtiments, un bâtiment réhabilité au-dessus du bâtiment de la salle des pas perdus aujourd'hui, et puis deux bâtiments qui longent le bâtiment en chantier aujourd'hui, et puis un bâtiment le long de la place le Teul. Alors, ce projet, bien évidemment, c'est un projet complexe techniquement et foncièrement, parce qu'aujourd'hui, les collectivités, ils interviennent pour tous les sujets techniques, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a le transport en site propre qui passe sous la place. On est sur un espace sur dalle. Du coup, c'est un peu compliqué. Il y a des aérations, des cheminées d'aération. À côté, vous voyez l'ancienne discothèque qui se trouve sur la place Charles de Gaulle. Il y a des cheminées d'aération du transport, du site propre, transport en commun. Puis, il y a un certain nombre de complexités techniques avec le bâtiment central gare qui est au-dessus de la gare. Les collectivités, ils ont vraiment souhaité aller au bout de cette démarche, vraiment changer l'image de ce quartier avec une démarche proactive d'acquisition de l'eau, de tous les lots privés, grande partie sur cet anneau rouge, via l'établissement public foncier d'Île-de-France, et puis une démarche d'études pour assurer la mise en œuvre dans des meilleures conditions, parce que c'est un peu compliqué, il y a un certain nombre de sujets qu'il fallait traiter avant d'aboutir. C'est pour ça que ça prend autant d'années, parce que c'est un peu différent, l'intervention sur l'espace public et l'intervention sur les espaces bâtis. Alors aujourd'hui, avec cette démolition, le souhait, c'était vraiment d'intervenir sur ce bâtiment pour créer quelque chose de plus ambitieux, un bâtiment d'une grande qualité architecturale. Vous voyez sur les images, vraiment, je pense qu'on arrivait enfin à avoir cette vision qu'on a imaginée en 2010-2011,
avec un ensemble bâti de bureaux neufs, des commerces qui animent les rez-de-chaussée des bâtiments, qui dynamisent le quartier, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une place, il y a du passage, mais on souhaitait avoir cet accompagnement, cette animation qui accompagne depuis le centre commercial jusqu'au pied de la gare, pour créer un espace qualitatif et accompagner les nombreux espaces autour de l'entrée de la gare. Bien évidemment, des nombreux espaces paysagers pour végétaliser le secteur et des constructions éco-responsables, soucieuses de l'environnement et de la qualité de vie des utilisateurs. Nous, en tout cas, par rapport à ce projet-là, on a travaillé sur un cahier des charges très contraignant par rapport même aux promoteurs, parce que c'est un espace vraiment d'entrée de ville, d'entrée d'agglomération, c'est une première gare d'agglomération. Et nos exigences architecturales en termes de qualité environnementale étaient vraiment au très haut niveau. D'ailleurs, on était très bien accompagnés par les promoteurs qui ont accepté de répondre à ces exigences pour sortir un projet de qualité. On voit les différents sous-ensembles des projets qui respectent, je dirais, à la lettre, voilà, les exigences et les réglementations émises, voilà, qui sont en vigueur sur le plan local d'urbanisme Saint-Quentin, mais avec un supplément de cahier des charges qui a été dicté par les collectivités. Aujourd'hui, en termes de calendrier, on prévoit un démantèlement des existants. Ça veut dire de la partie rouge qu'on a vue tout à l'heure, premier trimestre 2023, avec la poursuite des travaux, voilà, de construction de l'ensemble immobilier entre mi-2023 et mi-2025. Bien entendu, il y a l'ensemble immobilier, il y a tous les bâtiments, mais on n'oublie pas la place, parce qu'aujourd'hui, les aménagements qu'on a réalisés jusqu'à aujourd'hui sur la place Choiseul, la Diagonale et la place Le Teul, on avait réalisé un aménagement provisoire sur la place Charles de Gaulle, parce qu'on attendait l'évolution et l'avancement de ce projet. Aujourd'hui, on a lancé des études, voilà, aujourd'hui en 2022, des études de maîtrise d'œuvre pour accompagner cet ensemble immobilier. Les travaux ils vont se dérouler, bien entendu, en lien avec le chantier de cet ensemble immobilier, avec bien évidemment une place Charles de Gaulle largement végétalisée, même si il faut faire attention parce qu'en fait, on est sur dalle. Alors, on a exigé aux paysagistes de nous accompagner sur ce sujet-là, tout en faisant attention par rapport à différentes problématiques sur la plantation, sur les espaces dalle. Mais en tout cas, le souhait, c'est vraiment de végétaliser et d'aller à un espace un peu plus confortable, agréable à la sortie de la gare, pour minimiser l'effet d'îlot de chaleur. Des commerces, bien entendu, de proximité qui animent la place et redynamisent les quartiers. C'est-à-dire ça aussi, c'était une exigence qu'on a mis sur les pieds d'immeubles qui accompagnent le secteur de la gare et qui accompagnent, voilà, en venant du centre commercial jusqu'à l'arrivée de la gare. Et puis, bien entendu, on interviendra sur la façade de la gare pour garantir une cohérence et une qualité architecturale sur l'ensemble immobilier tout entier. Alors, là, vous voyez, on continue, hein, on est parti de l'Est avec l'immeuble Le Premium, on a regardé au niveau de l'anneau rouge ce qui allait se dérouler, et là, on a, alors sur l'image de droite, vous avez le Central Gare, qui est l'immeuble qui, lui, va être conservé et qui est situé donc au-dessus de la gare, et sur lequel nous sommes en discussion avec, puisque c'est un immeuble privé, nous sommes en discussion avec la copropriété pour que des travaux puissent se faire et qu'il y ait une réhabilitation qui est rendue nécessaire par l'état des défaillances qui sont sur les façades, et puis là aussi un besoin de remettre au goût du jour ce bâtiment qui lui aussi date des années 80. Vous avez donc un peu plus à l'ouest quand on sort de la Diagonale, je vais faire dans l'autre sens. Vous avez à côté, vous avez la résidence Stephenson, qui est une résidence de logement qui est située entre la rue de la Gare et la rue Stephenson, justement, qui elle appartient à un bailleur. Et donc nous sommes en discussion avec le bailleur social en lien avec l'amicale de locataires de cette résidence pour qu'une réhabilitation thermique puisse être faite et que dans ce cadre-là, on retrouve un aspect
beaucoup plus contemporain à cette partie du quartier, puisque ce sera finalement avec le Central Gare les dernières parties qui n'auront pas été refaites sur toute cette partie. Et au-dessus, la dernière photo, vous avez le Central Square qui est formé des deux immeubles que vous avez de part et d'autre de l'entrée du centre commercial. Et ça, ce sont des immeubles privés. Et eux travaillent aujourd'hui sur puisque ce sont des immeubles qui maintenant une quinzaine d'années, donc un ravalement des bâtiments. Et à ce sujet, sachez, parce que nous avons eu la question qui nous a été posée lundi soir, que pour les copropriétés privées qui cherchent comment pouvoir mieux procéder à leur réhabilitation, au ravalement, quand il y a des volontés, par exemple, de profiter de ce ravalement pour faire une réhabilitation thermique, il y a un travail qui est mené avec l'ALEC, donc qui est l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui peut accompagner les résidences privées sur ce secteur. Et donc il y a une étude qui est faite actuellement par l'ALEC sur le quartier centre pour qu'on puisse vous répondre au mieux si certaines résidences souhaitent continuer faire elles aussi le pas de changer l'aspect de leur bâtiment. On reboucle avec le secteur que vous connaissez, parce que à force de revenir sur ce secteur-là, les secteurs hypercentres, le grand secteur d'intervention, on vous a parlé de ces secteurs un certain nombre de fois avec toute la concertation, tout l'accompagnement. Bah, l'objectif, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est redonner un nouveau souffle à ce quartier par rapport en intervenant sur les espaces publics pour le rendre plus agréable, au regard des enjeux de développement économique sur le quartier, des enjeux de développement commercial, rapprochement de la ville et de la nature. Vous voyez toutes les propositions qui ont été faites, c'est toujours dans le sens d'avoir des espaces plus agréables, plus vers la nature, tout en s'appuyant sur la nature et la culture. C'est un gros projet d'environ 25 millions de travaux d'aménagement, c'est un gros chantier. Sur l'espace public qu'on souhaite mener tout le long des années à venir. Alors, juste pour avoir une idée pour ceux qui n'ont pas suivi les différentes réunions de concertation, la dernière sur laquelle on est rentré un peu plus en détail sur le projet. Pareil, c'est des études qui sont en cours, des études de maîtrise d'œuvre, ça veut dire on est un peu plus opérationnel. On est aujourd'hui en phase avant-projet, ça veut dire un peu plus avancé sur les études techniques, le schéma se précise et les travaux, ils sont prévus sur la première tranche qui constitue ce qu'on appelle la ville haute, l'avenue du centre, place Pompidou et les deux branches de l'avenue Plat du Lac, entre 2023, 2024, 2025, et puis on enchaînera sur la deuxième partie, la ville basse, place Truffaut et le secteur du canal. Ensuite, on arrive au théâtre de Saint-Quentin. Alors, ça aussi, c'est une nouveauté aujourd'hui. Alors, parmi les études qu'on a réalisées sur le secteur, il s'est avéré que même sur le bâtiment des équipements publics, ce qui a été conclu que ce bâtiment, œuvre de Stanislas Fischer, on a constaté une déficience de la fonction accueil. Aujourd'hui, ce grand bâtiment avec une capacité importante et un accueil qui est déficient, une insuffisance des lieux de convivialité. Et les études, ils ont indiqué également qu'il y a une nécessité d'une intervention architecturale sur la façade du théâtre pour vraiment répondre aux besoins d'interaction entre les futurs aménagements d'espace public qu'on prévoit sur la place Pompidou et un bon dialogue avec cette façade qui arrive aujourd'hui à un âge où, voilà, sur laquelle il faut intervenir. Alors, le projet intègre deux grandes parties. En fait, il y a l'axe urbain, l'axe artistique voilà, par rapport à la façade et à la place. Il y avait également la nécessité de mise à niveau après 30 ans d'années d'exploitation de ce théâtre, des dispositifs d'accueil au public, et puis une intervention sur la grande salle et la petite salle à l'intérieur du théâtre pour répondre, être en adéquation avec les nouveaux usages et les usages actuels des équipements de spectacle vivant aujourd'hui. Alors, le projet, vous voyez sur la slide, vous voyez sur la partie est. Alors, la première intervention, c'est un axe architectural, c'est-à-dire le traitement de la façade
et la création d'un nouvel accueil. C'est la boîte que vous voyez sur la partie basse du bâtiment pour agrandir, voilà, et apporter des conditions d'accueil favorables au public du théâtre. Et puis, la création d'une nouvelle fonction de restauration à l'étage du théâtre. C'est la deuxième boîte que vous voyez à l'étage du bâtiment. Et ça va dans le sens de la redynamisation de cet hypercentre et d'apporter un peu plus de qualitatif, une programmation pour un développement plus qualitatif, en requalifiant le volume de la terrasse existante avec un nouvel aménagement. Et puis, on accompagnera, on en profitera de cette intervention en termes de programmation avec un axe scénographique à l'occasion de ces travaux. On travaillera sur la rénovation de la petite salle de diffusion qui permet aussi une amélioration du son et du fonctionnement de théâtre. Et puis, dernière intervention sur ce bâtiment emblématique, c'est la valorisation de la façade du théâtre qui est engagée à travers un projet artistique qui permet de renouveler le rapport entre la place Georges Pompidou et la nouvelle scénographie du théâtre depuis l'espace public. Alors, voilà, on interviendra sur les socles qu'on aperçoit sur l'image qui est à gauche. Voilà, tout un travail scénographique qui va être fait. C'est-à-dire, on travaillera en même temps sur la programmation et tout le travail architectural du bâtiment, tout en gardant la cohérence et l'emblématie de ce bâtiment très, très marqué sur la place Pompidou. Alors, les travaux, pareil, on prévoit aujourd'hui, on est en phase dialogue compétitif, on est en consultation de maîtrise d'œuvre pour le choix d'un lauréat qui va arriver au courant de cette année-là. Et puis, on prévoit des travaux entre 2023 et 2024. Après, on passe sur le projet SkyWest. Alors, on arrive au bout de la chaîne Est-Ouest du projet qu'on vous présente. Je serai avec ma collègue Christine. Oui, alors ce centre commercial SkyWest, donc qui a vécu déjà plusieurs vies et plusieurs propriétaires surtout. Premier propriétaire MAB, deuxième propriétaire Alliance Amerson puis Codic, et depuis 2020, c'est la Société des grands magasins qui a racheté ce centre commercial et qui veut lui redonner justement en fait son esprit d'origine, puisque à la base ce centre commercial devait s'appeler la Fiesta, avec des enseignes dédiées plutôt à la culture et au loisir. Donc là, l'objectif de la Société des grands magasins, c'est bien de revenir sur cette programmation, donc en dehors bien évidemment des enseignes existantes, McDonald's, Furet du Nord, Basifine, Highway, les espaces de restauration, bureaux, etc. Il y a une signature de bail avec Speed Park sur 5 700 m², donc ça sera du karting électrique, des pistes de bowling, de billard, du karaoké, laser game, escape game, donc qui complétera encore l'offre développée notamment par Highway, plus une enseigne d'escalade sur 2 600 m², c'est l'enseigne Apic. Une enseigne de trampoline park pour les enfants. Il y a des pots également signés avec des enseignes de restauration qui sont différentes justement de ce qui existe un petit peu sur le territoire, notamment l'enseigne Pitawa, donc c'est du street food thaïlandais. Mais il y a encore d'autres négociations en cours avec des enseignes qui vont s'implanter et qui seront les premières en Île-de-France à développer ce genre d'animation. Donc on espère très prochainement pouvoir communiquer sur ces nouvelles enseignes. Donc au niveau des dates, la phase de curage de SkyWest est complètement finalisée. L'aménagement en cours pour le Speed Park et une livraison des premiers espaces en 2023. Et du coup, là, avec toutes ces enseignes, le centre commercial SkyWest sera pratiquement complet. Il ne restera plus que quelques mètres carrés à commercialiser. Donc, on est vraiment sur un espace qui sera complètement différent du centre commercial Espace Saint-Quentin et qui surtout va retrouver ses lettres d'origine, donc un centre commercial dédié aux loisirs et à la culture.
micro, excusez-moi. Ça signalait qu'il y a un peu d'écho, du coup, on arrête le micro. Alors, des projets. Alors, vous avez vu, il y a une richesse de projets. On ne parlait que de l'avenue du centre. Hein. On ne parlait pas de toute la ville de Montigny, mais des projets bien accompagnés en termes de communication, communication permanente. Aujourd'hui, vous voyez, voilà, les différentes personnes. Il y a une équipe dédiée à ce qu'on appelle l'hypercentre avec tous les projets phares en termes de, d'études, en termes d'accompagnement. Des outils réinventés avec le nouveau contexte, avec les différents projets, ça dépend des projets qui sont en chantier, des projets en réflexion, et surtout une concertation, une communication permanente. Ça, les élus, depuis le départ, ils souhaitaient vraiment qu'on accompagne les différents projets pour que vous ayez la possibilité de poser des questions, pour qu'on puisse répondre à vos interrogations, parce que c'est des temps de travaux qui sont longs là, depuis 2011. Là, on va démarrer, et on a déjà démarré les temps de chantier, sachant qu'il y a un travail vraiment fait avec l'ensemble des promoteurs pour avoir des exigences pour des chantiers bien encadrés. Vous avez vu sur les dernières opérations qu'on a eues sur le secteur, des chantiers qui respectaient l'arrêté pris par la ville, des arrêtés et des respects stricts par rapport à toutes les nuisances. On essaie au mieux de bien accompagner ces projets. Et bien entendu, qui dit construction, il y a comme des nuisances, mais on essaie au mieux de les accompagner avec une charte de chantier propre. On essaie d'instaurer voilà, tout le long, voilà, tous les projets-là, avec des limitations des déchets, des limitations des nuisances sonores, des gestions de flux. En tout cas, on essaie de vous écouter parce qu'on a eu un certain nombre de remarques sur le site Hypercentre. On essaie de prendre en compte voilà, les différentes interrogations, les différentes remontées d'informations pour bien accompagner tous les projets et bien répondre à toutes les explications sur ce grand chantier et ce beau projet qu'on met sur le secteur. On vous remercie pour votre écoute. Je laisse la parole à Monsieur le maire. Alors, merci d'abord Nargis et Christine pour ces présentations qui très clair des différents projets, puisque vous le voyez, en fait, c'est foisonnant et c'est extrêmement important. On est sur des budgets de réalisation entre les bâtiments et les espaces publics qui sont extrêmement élevés, mais c'est indispensable parce que c'est le cœur du territoire et qui avait vraiment nécessité de le travailler. Je vous propose que l'on passe aux questions-réponses. Alors, le quartier a besoin de plus de sécurité, on est bien d'accord sur ce point. Pour l'énumération des différents projets, pouvez-vous préciser les dates approximatives de livraison pour avoir les dates en tête? Alors, si on repart de l'Est, l'immeuble Le Premium, on sera vraisemblablement sur un bâtiment qui sortira en 2025, hein, c'est ça? Donc, celui qui est tout à droite, hein, où vous avez du co-living à l'intérieur, qui remplacera l'immeuble INSEE. Voilà, lui, on devrait être sur 2025. Après, quand on continue sur l'immeuble qui va remplacer, les immeubles qui vont remplacer l'anneau rouge, la démolition commence là, et donc je pense qu'on sera dans le même timing, c'est-à-dire une fin de travaux 2024-2025. Sur la résidence Stephenson, là, on est sur la réhabilitation thermique et ça, c'est en cours de discussion avec le bailleur, donc je ne préfère pas donner de date tant que je n'ai pas de confirmation. Sur le central gare, c'est pareil, mais là, c'est pareil, on a une réhabilitation thermique. Sur la gare, eh bien, c'est en cours et ça devrait s'achever en 2023, si je ne me trompe pas. Travelator, etc., hein, 2023. Ensuite, l'immeuble Le Native, on l'a dit, là, il va être bientôt livré. Sur l'avenue du Centre et sur les places Pompidou, là, vous avez eu tout à l'heure le planning qui vous a été indiqué. Donc, on est sur des travaux qui débutent en fin 2023, début 2024 pour la partie avenue du Centre et Pompidou et qui se termineront fin 2025. Et puis, en 2026 et 2027, on sera sur le canal et le quai Truffaut. Et puis ensuite, sur les travaux du théâtre,
2023-2024. Et puis SkyWest, l'évolution, là on vous l'a dit, normalement d'ici la fin de l'année ça sera rempli, et donc ouverture des nouveaux lieux d'animation en début 2023. Donc voilà pour cette question. Est-ce que l'on pourra toujours accéder directement à la gare depuis la résidence New Wave avec le front bâti? Oui, absolument. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'image. Il y a un passage, ça sera un des seuls qui restera, puisque par contre, de l'autre côté, on va supprimer les passages qui permettent d'accéder à la rue Joël Le Teul pour éviter justement ces points de fuite qui contribuent à l'insécurité du secteur. Mais bien sûr, là, il y a nécessité de conserver un espace. Alors là, vous voyez sur l'image qu'on vous donne, ce n'est pas très visible, mais derrière les deux personnages qui sont de dos, grosso modo, si vous êtes toujours dans la ligne au bout, vous avez un passage qui fait 13 mètres de large sur 7 à 8 mètres de haut et qui sera éclairé, bien sûr, et sur lequel nous aurons des caméras de vidéoprotection. Donc oui, vous pourrez toujours passer par là pour accéder à la gare depuis New Wave. Alors, du point de la place Charles de Gaulle, en effet, c'est esthétique, mais du point de vue des riverains du New Wave et du Stephenson, ils sont coupés de cette aération. Vous voulez dire des espaces publics qui vont être ouverts devant la gare? Oui, mais enfin, il n'y avait pas d'espace public ouvert devant l'immeuble. Il y avait cet ancien immeuble qui existe encore aujourd'hui, l'Immeuble Rouge, hein, avec du côté de la rue de la gare, cette faïence rouge et ces formes qui sont extrêmement laides. Et vous l'avez vu, là, nous aurons demain des bâtiments d'une très très grande qualité architecturale, ce qui sera quand même visuellement beaucoup plus agréable, avec en plus des terrasses plantées, donc des choses beaucoup plus belles que ce qui existe aujourd'hui. Le projet de rénovation des espaces publics semble très prometteur, mais je ne comprends pas le traitement réservé au carrefour Vauban avenue du Centre, Eiffel. Le principal flux piéton sur ce carrefour part de la gare vers le carrefour. Oui, la diagonale, et traverse l'avenue Gustave Eiffel qui accueille un trafic quasi inexistant, sans parler du stationnement sauvage. Pourquoi avoir laissé cette avenue hors du projet de réaménagement? La fermer permettrait de fluidifier considérablement le trajet depuis la gare vers le centre piéton. Alors non, on ne peut pas fermer de voirie. On a eu un travail qui a été fait, une étude de circulation sur le secteur, justement pour voir quels seraient les impacts des aménagements qui sont faits là. Et nous sommes en fait avec la réduction des voiries qui est proposée dans l'aménagement, au maximum de ce que l'on peut faire avant de rendre totalement bloqué non seulement ce secteur-là, mais toute la partie est de Saint-Quentin qui arrive par l'autoroute. Donc, il n'y avait vraiment pas de possibilité de pouvoir réduire encore la circulation sur ces espaces-là. C'était vraiment là, nous sommes allés au bout de l'exercice par rapport à cela. Les projets sont bien pensés, en tout cas au niveau de l'attractivité pour les entreprises et leurs salariés. Qu'en est-il pour la vie étudiante qui évolue peut-être au centre? Ne serait-il pas intéressant de proposer plus d'espaces consacrés au logement étudiant en cohabitation avec les espaces destinés aux entreprises? Alors, espaces étudiants, nous en avons déjà beaucoup, juste à côté, hein, puisqu'à proximité du Vélodrome, il y a déjà près de 800 logements. Si vous rajoutez la centaine de logements qu'il y a sur la place Wicklow, vous voyez, on a plus de 900 logements étudiants qui sont vraiment situés à proximité de l'hypercentre. Par contre, vous avez vu que dans l'immeuble premium, nous allions mettre en place du co-living. Alors, le co-living, c'est un mot anglais, donc peut-être que ça ne vous évoque pas grand-chose. C'est une forme d'habitat dans lequel vous avez à la fois votre espace privé, mais aussi des espaces collectifs, des espaces communs, dans lesquels vous pouvez avoir des salles de sport, des lieux de restauration, salles de cinéma et d'autres espaces encore de coworking, qui sont des lieux qui sont justement, ces propositions de co-living répondent particulièrement, pas seulement, mais particulièrement à une envie des jeunes par rapport au logement. Et donc, en proposant cette programmation de 250 logements en co-living juste à côté de la gare, dans un immeuble de grande qualité que sera l'immeuble premium, justement, on répond, et c'était vraiment un des objectifs que nous poursuivions sur ce secteur,
car vous le savez, nous avons autour de la gare près d'un million de mètres carrés de bureaux, il y a 40 000 salariés qui sont pour une grande part dans l'ingénierie, dans la recherche et le développement. Et pour attirer des jeunes ingénieurs qui viennent souvent de Paris, il faut à la fois leur proposer des espaces vivants, attractifs, et c'est ce que nous proposons là avec, vous l'avez vu, tous ces lieux de convivialité qui désormais vont exister sur le secteur depuis le Premium jusqu'à la place de la gare, jusqu'à la place Pompidou et le théâtre. Mais aussi des lieux pour se loger et se loger simplement. Et donc, cette proposition y répond parfaitement. Et là-dessus, je remercie encore Christine de Bourgard qui nous a accompagnés pour qu'on trouve le bon interlocuteur, parce que dans le co-living, il y a de tout. Il y a des prestataires plus ou moins qualitatifs et nous avons pu obtenir celui qui est le plus intéressant aujourd'hui en France pour ce type d'offre. Alors, ensuite... Une partie des espaces de la rue Leutel rénovés récemment vont être mangés par le nouveau bâtiment. Oui, il y a une partie de la rue Joël Leutel, effectivement, qui vont être repris pour faire le bâtiment. Mais en lieu et place de l'anneau rouge, vous avez vu sur les images que nous aurons demain des espaces publics très importants qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, on ne perdra pas au change, bien au contraire. Beaucoup de commerces annoncés, mais ceux du centre commercial fonctionnent mal. Alors, le centre commercial fonctionne assez moyennement depuis pas mal d'années, effectivement. Pour autant, il y a un nouveau gestionnaire qui a racheté le centre il y a maintenant un an et demi, deux ans, et qui porte une grande ambition sur ce centre commercial. Vous avez vu tous les travaux qu'il y a dans la voie piétonne, et il y aura derrière, bien sûr, tout un travail de recommercialisation. Mais c'est vrai que la période que nous traversons actuellement ne favorise pas tellement tout cela, donc je pense qu'il faut qu'on leur donne un tout petit peu de temps pour que les cellules soient à nouveau complètement occupées. Mais en tout cas, il y a une forte motivation, suite à l'investissement qui a été réalisé, évidemment, pour que ce centre soit occupé, parce que c'est comme ça pour le propriétaire qu'il deviendra rentable. Les bureaux vont se vider avec le télétravail. Pourquoi pas plus de transformation en logement ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme ça vous a été dit tout à l'heure, on a absolument besoin sur Saint-Quentin en Yvelines et sur Montigny d'avoir des entreprises parce que c'est bénéfique à plus d'un titre. Ça apporte de l'emploi, bien sûr. Ça apporte aussi une clientèle pour les commerces du secteur. Et évidemment, ça apporte de la richesse pour le territoire, de l'attractivité, de la richesse, parce qu'aujourd'hui, l'une des principales ressources, par exemple, de la communauté d'agglomération, mais aussi une ressource importante d'une ville, ce sont les entreprises. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir des entreprises. Autre chose, il y a une évolution effectivement des usages dans les entreprises. Pour autant, lorsque l'on a des immeubles de bureaux qui sont situés immédiatement à côté d'une gare, on est dans des enjeux particuliers. Ce n'est pas comme un immeuble de bureau qui va être situé dans une zone où il est compliqué de se rendre. Donc là, pour le coup, s'il y a des lieux où il y a besoin d'avoir une densité forte de bureaux, c'est bien à proximité immédiate des gares. Et donc, c'est pour ça qu'à cet endroit-là, nous avons souhaité avoir exclusivement des bureaux, alors que vous l'avez vu sur l'immeuble international qui a été évoqué tout à l'heure. Là, on a envisagé sur cet ancien immeuble international d'avoir une reconversion d'une partie du bâtiment pour proposer du logement. Vous avez envisagé des réhabilitations d'immeubles plutôt que des démolitions et reconstructions. L'immeuble Aegis qui a remplacé celui de Malakoff-Médérif en avait bénéficié avec succès. Oui, vous avez raison, et c'est ce qui s'est fait aussi sur l'immeuble international, comme je viens de le dire, puisque toute la partie bureau n'a pas été démolie, et elle a été refaite, mais en gardant le bâti originel. Donc, quand on peut le faire, évidemment, nous le faisons. Par contre, là, sur l'anneau rouge, on l'a évoqué tout à l'heure, le principe, c'était d'ouvrir la gare sur le reste de la ville. Donc, de toute façon, il n'était pas possible de conserver ce bâtiment qui ne répondait justement absolument pas à cet objectif-là. Des aires de jeu de prévues pour accompagner la vie dans ces nouveaux espaces et les logements qui vont être créés. Alors, des aires de jeu sur le quartier, il y en a déjà. Vous avez le parc qui est juste en face. Vous avez les petits jeux, les jeux du Petit Prince qui sont situés aussi rue Sully. Donc, il y en a déjà. Par contre, de nombreux espaces verts et de nombreux espaces avec des terrasses, là, oui, ça, il y en aura davantage encore.
Quelle est la place du vélo dans ces nouveaux aménagements? Ça, c'est une très bonne question. Ça fait partie du projet, ça fait partie des souhaits qui ont été formulés pendant la concertation sur l'avenue du Centre, sur la place Pompidou, sur tous ces espaces-là autour de la gare. Il est absolument nécessaire de permettre une mobilité douce encore plus simple et encore plus sécurisée. Donc ça fait partie des aménagements qui seront réalisés sur ces espaces et qui permettront effectivement de se rendre jusqu'à la gare en vélo et vice-versa, quand on quitte la gare, de pouvoir se déplacer de cette manière-là. Alors, compte tenu du nombre de logements construits, y a-t-il assez de place dans les écoles du quartier? Oui, il y a la place. Avec toutes ces constructions, y aura-t-il des bâtiments publics comme une maison de quartier? Non, il n'y aura pas de maison de quartier à cet endroit-là, parce qu'il y a déjà 3 maisons de quartier sur la ville, et que les maisons de quartier, ce sont... Si elles étaient pleines, on aurait peut-être la nécessité d'en ouvrir une 4e, mais ça n'est pas le cas. Il y a encore largement de quoi accueillir du monde dans toutes celles qui existent. Et juste à côté, vous avez celle de la maison de quartier Malraux sur le quartier des Prés, qui est située vraiment à proximité immédiate et qui vient d'être entièrement refaite. Et je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, à vous y rendre. Vous verrez que c'est un équipement magnifique. Central Square étudie le ravalement. Comment vont se coordonner les travaux, notamment avec la rénovation de l'avenue du Centre? Ça, c'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas vous répondre. Je dirais simplement qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques entre un ravalement d'un bâtiment et les travaux. Et le central gare ne donne pas directement sur l'avenue du Centre. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de problématiques. Peut-être pour compléter, en fait, on a eu un premier échange avec les copropriétaires. Et il y a un travail qui va être mené en cohérence, voilà, par rapport aux travaux, effectivement, parce qu'en fait, qui parle de ravalement, il y a appui sur l'avenue, puisqu'il y a des travaux, en fait, il y a une coordination à faire et voir quel est le projet qui passera en premier. Voilà, tout ça va être étudié en collaboration avec les personnes référentes pour ce projet-là. Merci Nargis. Avec l'arrivée des bâtiments multi-usages, commerce, bureau, habitation, rencontrez-vous beaucoup de demandes de commerce pour occuper les pieds d'immeubles? Alors ça, c'est le travail du promoteur, effectivement, qui, sur l'anneau rouge, va réaliser les bureaux. Et comme ça vous a été dit, il y a un cahier des charges extrêmement strict là-dessus, puisque ce que nous souhaitons vraiment, ce sont des commerces qui apportent de la vie au quartier, et non pas des commerces qui, par exemple, ne vivraient qu'en journée et seraient fermés le soir. Je ne sais pas, on peut citer une brasserie, par exemple, qui serait intéressante sur ce secteur-là. Donc ça, c'est vraiment le travail qui est mené actuellement. Est-il prévu une réhabilitation, rénovation du centre commercial Carrefour afin qu'il soit à la hauteur de ces grands chantiers de modernisation? Alors, nous avons rencontré récemment, justement, le directeur de Carrefour et bien sûr, nous sommes en lien avec les responsables du centre. Carrefour, aujourd'hui, est plutôt sur... n'a pas encore complètement déterminé sa stratégie sur ce centre commercial. Il est le directeur et quelqu'un d'extrêmement dynamique qui a bien relancé la machine. Nous verrons, je pense, il faut attendre encore un petit peu avant d'avoir une visibilité sur des travaux qui pourraient intervenir sur... Vraiment, là, je parle du Carrefour. Par contre, sur le centre commercial Espace Saint-Quentin, je vous le disais tout à l'heure, là, il y a des travaux qui ont lieu actuellement. Et puis derrière, on vous l'a expliqué tout à l'heure, vous aurez tout ce qui touche au canal qui va être repris et du bassin, ce qui va là aussi donner un aspect beaucoup plus convivial, beaucoup plus agréable et beaucoup plus vert aussi, beaucoup plus nature sur notre centre commercial, qui a cette qualité immense d'être en cœur de ville. Et demain, en y ramenant de la nature, eh bien, on devrait avoir un centre commercial assez exceptionnel. Je ne vois plus de questions. Bon. Écoutez, j'espère qu'on ne vous a pas endormi. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, c'est qu'a priori, nous avons répondu à celles que vous pouviez avoir. Donc, merci beaucoup. Ah, Yannick arrive. Quels matériaux pour les espaces publics? Le pavage de la Diagonale est très abîmé et dangereux. Alors, le pavage de la Diagonale, c'est un sujet qui est douloureux pour nous parce que ça a été un dossier tellement complexe pour réussir à le sortir du domaine privé, puisque c'était une voie.
comme l'avenue du Centre d'ailleurs, entre Vauban et la place Pompidou, c'était une voie qui était privée, alors que c'est une des voies les plus passantes du territoire. On a 70 000 passages jour. Donc, il y a eu un énorme travail de fait il y a quelques années de ça pour convaincre les copropriétaires de rétrocéder cette voie à l'intercommunalité. Et bien sûr, les travaux qui ont été commandés, qui étaient du même ordre que ceux que vous avez sur la place Choiseul et sur la place Joël Leteul, ont malheureusement connu un certain nombre de malfaçons. Et aujourd'hui, donc, il y a toujours un procès, puisque l'agglomération s'est retournée contre la société qui avait fait ces travaux et qui doit tout reprendre pour que l'on ait à l'avenir, évidemment, des espaces aussi qualitatifs que ce qu'il y a dans les environs. Et donc, sur les espaces qui arriveront là, je n'ai pas encore le détail des matériaux qui seront utilisés, mais nous serons sur des matériaux qualitatifs, bien entendu. L'espace soudal de la place, a priori occupé par une ancienne boîte de nuit, va-t-il être utilisé? A priori, non. On a envisagé un certain nombre de choses, mais c'est beaucoup trop complexe et beaucoup trop coûteux par rapport à l'intérêt que ça pourrait présenter. Allez-vous remettre en eau le canal jusqu'au bassin rond de Martapan? Oui, oui. Alors ça, ça fait partie des travaux que nous avons effectivement qui ont fait l'objet de la concertation avec les habitants. Et donc, il a été proposé, puisqu'aujourd'hui, en fait, pourquoi il n'y a plus d'eau? C'est parce que les bassins fuient et que le système d'adduction d'eau est défectueux. Donc, on a préféré arrêter les choses. Mais demain, ce qui a été retenu, c'est de remonter le fond du canal quasiment au niveau de la voie à côté pour que l'on ait simplement une petite épaisseur d'eau, ce qui est beaucoup moins consommateur évidemment d'eau, tout en conservant cette apparence, effectivement, l'importance de la sensation d'avoir de l'eau près de soi. Et l'objectif aussi que nous poursuivons dans ce réaménagement du canal, c'est de lui donner là aussi un aspect beaucoup plus vert, donc peut-être un peu moins rectiligne, et en tout cas avec des plantations sur les abords, puisque l'eau ne sera plus tout en bas, mais sera au niveau de la voie. On pourra avoir des plantations, des lieux où se poser, s'asseoir, tout au bord de l'eau, le long du canal. Donc oui, ça va être remis en eau, ça fait partie du projet, c'est bien pensé comme ça. Allez-vous augmenter le nombre de places de stationnement sécurisées autour de la gare en complément de la vélostation? Alors, nous allons... tous les espaces où nous avons des stationnements vélos sont vidéoprotégés. On pourra mettre des arceaux qui permettent d'attacher le cadre de son vélo de façon, évidemment, à éviter de en l'attachant avec le matériel nécessaire, parce que le petit antivol qu'on connaissait tous, évidemment, ça ne fonctionne pas. Il faut quelque chose de beaucoup plus gros, type chaîne de moto ou U. Mais oui, nous aurons des équipements suffisants qui permettent d'accrocher le cadre de son vélo, et nous aurons de la vidéoprotection aux abords pour surveiller ces vélos. C'est bon ? Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour tout le travail préparatoire qui a été fait pour que nous puissions vous présenter cela. Merci, Alexandra, d'être avec nous, d'avoir été avec nous pour nous présenter un peu ce qui allait se passer. Vous voyez, c'est un travail choral hein, entre les communes et la communauté d'agglomération sur ces sujets, et c'est ça qui est passionnant. Donc, écoutez, très bonne fin de soirée et merci encore d'avoir été avec nous. Ouais.